Dans la maison vient un système de ventilation de type D. L'amenée d'air frais extérieur et l'évacuation de l'air intérieur vicié se font de façon entièrement mécanique par une unité de ventilation. À cette fin, nous pouvons placer tous les tubes et collecteurs nécessaires. Nous installons aussi la ventilation à l'aide d'un kit de montage. De cette manière, nous pouvons économiser jusqu'à 3 500 € sur l'installation complète. Nous allons placer le système de ventilation. Pour cela, on a besoin d'un manuel d'instruction et de plans. Nous avons ici le plan, je dirais de base, qui nous permet de savoir quelle est la section des tubes que nous aurons besoin. Et par la suite, nous avons aussi les plans qui sont, eux, plus précis et nous permettant de savoir où se situera chaque pièce. Maintenant que nous avons isolé notre toiture, nous savons quel espace il nous reste et nous pouvons placer la ventilation. Il s'agit ici aussi bien des tubes de ventilation que des collecteurs. Nous faisons livrer plus tard l'unité de ventilation. Dès que la commande est livrée, nous contrôlons que tout le matériel nécessaire s'y trouve. Si des pièces devaient manquer, vous pouvez le faire savoir aussitôt. Nous commençons par positionner les tubes d'amenée et d'évacuation principaux. Nous savons que nous devons prévoir une ventilation dans chaque pièce, ceci constitue donc notre point de départ. Pendant nos travaux de meulage, nous avons déjà prévu tous les passages nécessaires, ce qui nous permet de placer rapidement les tubes. Lors de leur pose, nous devons aussi tenir compte de nos autres équipements d'utilité publique, de telle sorte qu'ils ne constituent pas un obstacle. Les tubes larges et droits servent à ponter les distances entre les collecteurs. Avec les conduites flexibles, nous pouvons réaliser les dérivations. La longueur maximale d'un tel morceau est de 2 mètres. Ceci est insuffisant pour couvrir la distance, aussi nous avons des accouplements spéciaux. Ils vous permettent d'accoupler aisément les deux tubes avec une perte d'air minimale. Vous glissez simplement les deux extrémités par-delà le morceau et l'accouplement est réalisé. Les tubes que nous avons prévus ici sur la toiture inclinée sont masqués par un faux mur. Ceci est important à savoir car en termes de hauteur, nous ne devons pas tenir compte de la construction du sol. Pour avoir une marge suffisante pour d'autres conduites qui doivent entrer dans le mur, nous posons les conduites de ventilation sur un certain nombre de briques perforées que nous avons en excès. Nous devons bel et bien prévoir des points d'appui suffisants sur la distance, de telle sorte que le tube ne ploie pas et que l'assemblage ne se détache pas. Avec ce type de matériaux, vous devez être particulièrement attentif à ne pas le bosseler. Les bosses compliquent l'accouplement et peuvent aussi influencer l'étanchéité à l'air de votre raccordement. Vous pouvez aisément éviter ceci en étant prudent lors du déplacement. Nous avons reçu le kit complet. Maintenant, nous allons les placer aux endroits de façon à pouvoir voir exactement comment nous allons placer tout ça. Et donc, toutes ces pièces de raccordement sont reprises évidemment dans notre livret. Nous avons fait aussi imprimer des autocollants permettant d'identifier chaque pièce et pour que tout le monde puisse comprendre ce que l'on fait. Lorsque les distances droites sont pontées, vous pouvez commencer les dérivations. Il est important de ne pas procéder à la hâte. Commencez par bien réfléchir à la façon d'assembler votre puzzle. Ceci ne fera que faciliter la suite du placement. Pour commander les points de ventilation à cet étage, nous partons des collecteurs. Ceux-ci rassemblent tous les flexibles des différentes pièces et sont raccordés sur une conduite d'amenée ou d'évacuation principale. Le diamètre des flexibles est nettement plus petit et ces derniers sont donc plus facilement intégrés dans le plafond ou le sol. Nous commençons par indiquer si un collecteur amène de l'air propre et se charge donc de la pulsion ou évacue l'air vicié et assure donc l'extraction. Ensuite, nous pouvons les composer. Pratiquement chaque pièce doit être raccordée à la ventilation. La cuisine, la salle de bain ou la toilette doivent être aspirées par exemple, tandis que l'air propre doit être insufflé dans le living ou la chambre. Nous prévoyons des autocollants pour marquer les différentes pièces sur le collecteur. Si quelqu'un d'autre poursuit le travail sur l'installation, il sait d'emblée quelle sortie est destinée à quelle pièce. En effectuant déjà tout le travail de réflexion, nous pouvons tout disposer aisément tout à l'heure. Lorsque les collecteurs sont composés, nous pouvons les installer à leur place. Dès que nous avons déterminé la bonne position du collecteur, nous pouvons les raccorder sur notre conduite principale. À cette fin, nous avons besoin d'une pièce en T. Nous y raccordons encore une réduction afin de pouvoir y raccorder le tube avec le diamètre plus petit. Pour raccourcir droit sur mesure, nous indiquons avec une bande adhésive l'endroit où nous devons meuler.
Nous pouvons aussi réaliser un anneau avec une chute de tube que nous pouvons réutiliser. Vous l'ajustez autour du tube et tracez ainsi l'endroit où vous devez meuler. Après avoir raccourci, vous devez en tout cas éliminer les bavures avec une lime ronde. De cette manière, l'extrémité est à nouveau lisse afin de pouvoir raccorder sans problème. Puis, nous pouvons accoupler de façon provisoire. Maintenant, nous pouvons réaliser les dérivations. Pour cela, nous utilisons des conduites flexibles plus minces. Vous devez bien les pousser dans les ouvertures prévues, elles sont ainsi immobilisées. Nous raccordons l'autre extrémité de ces trois flexibles sur un collecteur de trois qui donne sur la pièce en dessous. Nous ajustons tout et coupons sur mesure avec un accessoire spécial. Ceci s'ajuste avec précision par-delà le tube et est doté d'un couteau à l'intérieur. Quand vous le glissez par-dessus le tube, il pratique une incision dans une rainure. En le faisant tourner tout autour, vous enlevez tout le contour. Ce circuit est étalé et réalisé sur mesure. Si ceci paraît OK, nous fixons les collecteurs. Nous le faisons avec une mousse colle PU qui fixe le morceau dans le trou. Nous injectons aussi la mousse dans le bar. Ce tube sera intégré plus tard dans le plafond et raccourci selon le niveau approprié. Puis nous apportons la finition avec une grille. La pulsion est en ordre. Mais maintenant, nous devons encore réaliser l'évacuation de l'air vicié. Ceci est à nouveau un exercice difficile, parce que nous devons tenir compte de la finition du sol et donc aussi de l'épaisseur de la chape. Le schéma de principe nous aide déjà beaucoup, mais pour le remplissage effectif, nous sommes livrés à nous-mêmes. Si nous avons encore des questions, nous pouvons toujours demander conseil à notre fournisseur sur place ou par téléphone. Lorsque la position du collecteur d'extraction est enfin déterminée, nous pouvons l'installer. Nous relions le collecteur au point de dérivation via des tubes flexibles. Après les avoir réalisés sur mesure, nous les accouplons. Si vous entendez deux clics, vous êtes certain qu'il était poussé à une profondeur suffisante dans l'évidement. Lorsque vos points de raccordement se trouvent sur votre collecteur, placez un bouchon. Veillez à bien l'enfoncer afin que l'air ne puisse pas s'échapper. Si tout est en place, vous pouvez fixer à nouveau. Et nous pouvons poursuivre en installant l'amenée ou l'évacuation des pièces. Nous partons de notre schéma de principe et essayons ensuite d'assembler l'installation complète. Commencez par les points les plus difficiles, comme par exemple les pièces où vous n'avez pas de jeu. Vous ajustez le reste en conséquence. Avec les tubes droits, vous pontez l'intervalle et les flexibles sont destinés aux dérivations. En d'autres termes, les derniers morceaux qui conduisent vers les différentes pièces. Ils sont réunis dans de grands ou petits collecteurs. Pour pouvoir réaliser ces accouplements, vous ajustez tout sur mesure, soit avec un accessoire, soit avec un cutter. Ces conduites plus minces sont conçues spécialement pour réaliser de tels assemblages. En raison de leur extérieur strié, elles sont très flexibles, mais l'intérieur est plus lisse. La saleté ne peut pas s'y accumuler dans les rainures et l'air subit moins de résistance. Quand tout est ajusté, vous pouvez fixer les points de collecte. Vous vissez les grands collecteurs au sol
ainsi il reste en place. Sur le collecteur proprement dit sont prévus des trous de vis. Ceci est donc rapide et facile avec des vis et des chevilles. Vous fixez avec une mousse PU les collecteurs plus petits avec une sortie. Dès que toutes les conduites sont prévues sur notre étage, nous pouvons réaliser le raccordement vers les autres étages. Au rez-de-chaussée, nous avons de nombreuses pièces à commander, nous avons donc besoin de plusieurs collecteurs. Ici, nous avons la place dans le faux plafond pour les placer. Nous devons donc les y fixer. Nous choisissons nous-mêmes la façon de procéder. Un feuillard est ici l'option la plus facile. Nous pouvons le plier en fonction de la dimension dont nous avons besoin. Et nous le suspendons au collecteur avec un boulon, un écrou et une rondelle. Notre plafond est constitué de ourdis creux. Les chevilles pour murs creux sont donc nécessaires pour ancrer le feuillard au plafond. À l'intérieur du collecteur, nous n'aurons pas la place pour fixer les flexibles. C'est pourquoi nous devons veiller à la présence de bouchons par-dessus. Et après avoir monté le second collecteur adjacent, nous pouvons prévoir un assemblage avec notre unité de ventilation. Les tuyaux sont coupés, nous avons raccordé provisoirement toute l'installation. On va pouvoir les fixer au sol et réaliser les joints d'étanchéité. Nous fixons les collecteurs lors du placement de nos conduites, de telle sorte que ceux-ci ne se déplacent plus, mais maintenant nous devons aussi fixer le reste. Nous réalisons les flexibles avec des chevilles de fixation et des frettes de câblage. Dans ces chevilles est prévue une ouverture dans laquelle nous pouvons insérer une frette de câblage. En perçant une ouverture d'un diamètre de 8 pour insérer une cheville de 10, celle-ci se sert bien dans le trou trop petit et vous avez un solide point d'ancrage. En ne serrant pas complètement les frettes de câblage, nous gardons un peu de jeu. Ceci est important parce que nous ne savons pas encore précisément où sera fixé le faux plafond. Une fois suspendu, nous pouvons le tendre de façon définitive. Au point où les tubes ne seront certainement pas un obstacle, nous suspendons déjà de façon définitive. Nous le faisons avec un feuillard. Nous pouvons ainsi tout relier aussitôt et nous avons moins de travail. Aux endroits où nous devons fixer les conduites au sol, nous utilisons d'emblée un feuillard. Elles sont ainsi coincées plus solidement et ne peuvent pas se déplacer dans la chape. Nous montons les exemplaires droits plus larges avec les colliers de fixation fournis là où c'est nécessaire. Ceux-ci sont adaptés au diamètre du tube et évitent de le bosseler. Pour terminer, les accouplements doivent encore être imperméabilisés. Nous avons déjà réalisé le raccordement provisoire avec des raccords que nous avons insérés entre les extrémités. Pour fixer un raccord au tube, nous devons encore visser. Les exemplaires auto-taraudants sont meilleurs pour cela, car vous ne pouvez pas exercer une trop grande force sur le tube. Autrement, vous y ferez une bosse. La pièce d'assemblage est suspendue, et ensuite, nous devons encore entourer le joint avec un ruban d'aluminium. Ceci crée une parfaite étanchéité, car l'aluminium est étanche à l'air et ne dépérit pas, contrairement au ruban plastique.
Finalement, nous parvenons à un réseau complet de tubes de ventilation qui couvre toute la maison. Ce système de ventilation créera une récupération de chaleur et un air sain dans la maison, ce qui est positif pour notre niveau E. Nous avons maintenant les conduites, mais celles-ci doivent encore être raccordées sur l'unité de ventilation. Celle-ci commande le système de façon mécanique et alimente les conduits de pulsion en air frais, tandis qu'elle évacue l'air vicié par le biais des tubes d'extraction. Nous installons l'unité dans notre local technique. Dans notre cas, nous suspendons l'unité à un mur solide avec un rail. Ceci cause peu de vibrations et produit donc aussi peu de nuisances sonores. Nous fixons la bride de suspension bien droite sur un panneau multiplex pour y accrocher ensuite l'appareil. Ensuite, nous devons bien vérifier sur quelle sortie nous devons raccorder précisément la pulsion et l'extraction. Il est évidemment indispensable que tout soit raccordé sur le bon conduit pour obtenir un fonctionnement correct du système. Avec un boyau flexible en aluminium, nous pouvons prévoir l'accouplement entre les conduites fixes et l'unité. Les faire glisser l'un sur l'autre demande un peu d'effort, mais nous sommes certains d'avoir un assemblage jointif. Nous le fixons encore avec une grande frette de câblage. La conduite que nous utilisons est flexible, mais veillez tout de même à ne pas avoir un coude trop marqué, car vous pourriez aplatir le tube, ce qui réduit le diamètre sur ce point. Là, le passage de l'air serait moins grand, ce qui pourrait influencer le débit requis. Pour terminer, nous dotons aussi l'unité de ventilation, tout comme notre chaudière à condensation, d'un label énergétique, comme il se doit. En plaçant la ventilation avec un kit de montage, nous pouvons économiser jusqu'à 3 500 €. Nous attendons que l'installation soit entièrement achevée pour comptabiliser cette somme. Le total provisoire reste donc encore quelque temps bloqué sur 46 910 €.